Tous, c'est Farsight. T'as vu les lumières? On se retrouve sur une piste de danse. Et même pas de musique. Je sais pas vous, mais moi j'entends pas de son du tout. T'as une belle moustache. Oh, t'as mal hein. Clavard, clavard. Je savais même pas que ça allait se tourner comme ça. Jason, par derrière. Par ici. Faut que je bouge. Pour ceux qui savent pas du tout ce qui se passe. Allez, allez, allez. Tu veux que j'appuie sur le bouton pour toi? Allez, allez, allez. Tiens la porte. Jason, monte, allez, monte. Ferme, ferme, ferme. T'étais obligé de le frapper aussi fort? Bien sûr que j'étais obligé. Waouh. Et ben, tout ça me donne faim, moi. Plus qu'un tatouage à la cheville et ce voyage sera parfait. Ça dirait un tatouage Yontra? Ouais. Je connais un gars dans le coin de la station Siam BTS. Eh oh, écoutez, je vous présente Doug. Il est DJ et surtout, c'est un gars super sympa. Salut Doug. Salut Doug. Selon Jason, vous faites le tour de l'Asie? Ouais, Bangkok, c'est notre dernière étape. Vous avez raison, faut finir en beauté. Ouais, carrément. C'est vrai. Sinon, vous avez prévu d'autres trucs? On aime bien se laisser porter par le courant. Vous avez de l'argent, au moins. Ouais, ça vous dirait de louer un bateau? Lui, il en a. Je connais une île sympa où on peut faire ce qu'on veut. Waouh! Mais t'as pas un truc un peu plus extrême à nous proposer? La chute libre. Merde! Genre, on prend un avion et on saute au-dessus de l'île. Ça me branche à mort! Sauter en aveugle, c'est risqué. Oh, ça. Allez! Sans déconner, c'est chaud! Y'a qu'à faire ça demain. Allez, quoi? Allez! Mais ouais, fais pas ta poule mouillée! Tout s'arrange, on va pas manquer ça. Bon, c'est bon. Alors, elle est où cette île? Elle s'appelle la mort. Cette île. Si vous avez pas deviné, je vous conseille d'aller regarder mon premier épisode. Vous pourrez comprendre ce que c'est la chute libre. Aussi les autres épisodes où j'ai utilisé cette petite pastille rouge. Je savais absolument pas ce qui allait se passer. À part ça. Vous dessouler. Bien que j'ai pas bu. C'est pas logique, des sous l'écran, on n'a pas vu. Allez, lève-toi, Jason. Tu vas y arriver. Hop, il y a du monde là-bas. Allez. Hop. Supérieur. Droite gauche. Droite gauche. Je peux pas te parler. Je suis désolé pour Riley. Non, je peux pas te parler. Hop là. Supérieur. Saut en avant. Oh, je voulais faire un saut derrière, mais non. Et on va continuer l'histoire. Eh oui, nous allons continuer cette histoire. Oui. Non, je sais même plus ce qu'il y a après. Sortir de la caverne. C'est fait. Re-rentrer dans la caverne. C'est pas fait. Alors, apporter le couteau à Citra. Qu'est-ce qui me prend? On va faire vite un petit voyage rapide. Ouais, on va faire un voyage rapide. On s'occupera de ces petits bastions de résistance plus tard. On a le temps. C'est pas mal, mais sur le pistolet. J'ai encore jamais fait. Allez. J'ai que 3 mini-packs, ça va peut-être être pas assez. On va refaire. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Mais oui, j'ai ce qu'il faut. Voilà. 7 sur 7. C'est très bien. Allez, ouvre-toi, porte. Hop là. Et. Hop là. Ah non, saut sur place. Je voulais faire un saut en arrière.
Voilà, sans arrière. En courant, ça aurait été beaucoup plus stylé. Pourquoi tu me dis Murat? Je suis pas le sergent de... C'est pas le sergent. Le Napoléon, le... Je sais plus. Qui est... C'est un sergent. Le bienvenu, Jason. J'avais presque oublié ton visage. C'est bon de te revoir. Le couteau. Où est-ce que tu en es? Je l'ai trouvé. Tu nous rapportes l'objet qui nous revient de droit. T'as une belle Kalachnikov, tu sais. Non, pas toi. Cette lame a fait couler le sang de nos ancêtres. Elle nous revient aujourd'hui. L'honneur de nos morts est vengé. Viens avec moi. Laissez-nous. Entretien privé avec madame. Ça risque d'être intéressant. Dis-moi ce que tu désires. Sauver mes amis. Tu es sûr? Non. Je veux tuer Vas et Hoyt. Il y avait, il y a très longtemps, un étang au Lotus qui était rempli d'eau claire. La rive était faite de sable fin, et le parfum de mille fleurs embaumait l'air. Mais sous la surface de l'étang habitait un géant qui dévorait quiconque s'en approchait. Un guerrier qui venait des terres du Nord eut vent de ce géant et jura de le tuer. Il para son corps de tatouage et prit le pouvoir du royaume des morts. Et quand il fut prêt, il prit le chemin de l'étang au Lotus. Le géant surgit des eaux tranquilles. Le guerrier brandit sa dague et lui trancha la tête d'un geste net et précis. Le crâne du géant tomba dans l'étang et devint notre île. Les descendants du guerrier devinrent les Rakyat, notre peuple. Aujourd'hui est apparu un autre géant. Prouve-nous que tu es digne du tatouage. Libère nos guerriers de l'esclavage. Alors je te donnerai le pouvoir que tu cherches. Je vais le faire. Dans ce cas, sache que nous nous reverrons. Guerrier. Belle mythologie, moi je dirais. Mais scientifiquement, ça s'est pas passé comme ça. Sauf que... Hey, l'ami. Je peux pas te trancher la tête? Non. Ça aurait été marrant. Et hop! Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Là, il y a un cadeau dans le coin. Je peux pas le prendre. Jason, nous allons attaquer un convoi transportant des guerriers prisonniers de Vas. Quel est le plan? Ok. Une embuscade. Va rejoindre les hommes que tu accompagneras. Ils sont à Churchtown. Ça leur fera plaisir de t'aider. Church. La ville de l'église. Church. C'est l'église. Yeah. Churchtown. Et mon jeu qui rame. Super. J'aime bien. Alors, Church. Putain, il y a un truc que j'ai pas exploré. Là, ouais, mais c'est pas grave pour lui. Churchtown. Là. Ancienne mine. On va aller là. J'ai même pas regardé l'heure. À quelle heure j'ai commencé? J'ai même pas lancé de chronomètre. Je suis nul. Mettez vos couverts pour recharger sans risque lors des combats. Hop. On va faire une petite recharge de munitions. Une petite vente d'ingrédients secrets. Tac 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 tac. Pour regagner tout le fric qu'on avait perdu.
On va, tiens, on me signature. Est-ce que ça me... Non. Arrête de ramer cette année, jeu. Ok, ça c'est à fond. Ça c'est à fond. Ça c'est à fond. Alors, la question n'étant pas de savoir si on saute, mais par où? Fuck, tac, 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 tac. Church Town. Ça me rappelle The Expendable. Yeah! Ok. Il a pas aimé. C'est fouillé la cheville. Tiens, je vais me prendre un filet par balle. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile et intéressant. Et même très amusant. Là, je pense. Élimination par grenade. Ouais. Bon. Je sais plus où on peut prendre. Non, par arme spéciale. Lanceur consommable. J'y ai par balle. Ouais. À 100%. Bon, on va pas refaire la même chose, cette fois-ci on a une voiture. Oui, oui, on a une voiture. Je sais même pas si on en avait une avant. J'ai même pas fait attention. Allez, grave. En tout cas, la vitre est sale. Oui, je ne fais pas attention au paysage. Olé, olé, olé. Vous voyez ça? Hop là. Bah, moi aussi je l'ai vu. La carte qui est pas chargée. On va essayer d'éviter. Olé. Voilà. Préparez-vous au stop! Et voilà. J'ai toujours pas compris pourquoi ça me fait ça. Alors là. Voilà! On va essayer de rouler lentement et assurément. Hop là. Si vous reconnaissez, on était passé là tout à l'heure. Non, non. La dernière fois. Il arrive en plein Churchtown, qui est absolument pas chargé. C'est super, j'adore le paysage, moi. Pas vous? C'est censé être une ville. Il charge en fond, et il affiche pas ce qu'il charge. C'est un peu intéressant de savoir. Tic-tac, je m'en ai, je sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Oui, bah. Je crois que l'épisode 6 a eu de Far Cry 3, ses confections, a eu plus de 50 vues. Tiens, vous voyez, bizarrement, tout de suite, c'est un petit peu plus rempli. Alors, c'est par là, non, c'est pas par là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? J'ai juste fait un demi-tour, je suis même pas sorti normalement de la map. C'est peut-être parce qu'il a pas chargé les camarades. Normalement, il devrait y avoir plein de petits gigus. Voilà. Eh oh. Ah
va pas écraser les copains. Peut-être parce qu'il y a trop d'entités et il aime pas ça. On va prendre ça. Tac, 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 tac. Alors, ce qui est bien, c'est que le chef des pirates ne peut pas être identifié. C'est bien que tu sois là, Jason. Le convoi de Vass va traverser la ville. On va poser des explosifs pour bloquer la route. Cool. Donne-moi le C4, je m'en occupe. Je suis malade. Je vais me faire péter la tête. Oh ouais. Et mes amis, il y a un... Comme d'hab, la mission se charge pas tout de suite. Ça sera trop marrant. Tac 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 tac. C4 posé. Le convoi est en route. Allô. Qu'est-ce que tu veux? Jason, c'est Lisa. Je suis occupé là, ça va? Je voulais te prévenir qu'on avance bien sur le bateau. Tu reviens quand? Je sais pas. Ouais, tu vas revenir, hein? Ouais, un même morceau. À bientôt. Si le jeu veut bien arriver. J'ai dit de grimper. Allez, grimpe. T'as 25, 24, 23, 22, 21. Ah, je vais trop vite. Tac, tac, tac. Eh, hein, animation normalement. En charge. Attendre le sommet du château d'eau. On fait déjà pour s'accroupir. Voilà. Que le convoi tombe dans l'embuscade. C'est dans le château d'eau. Je suis dans le château d'eau. Attention. Headshot. Il fallait pas faire ça, mais c'est pas grave. Oh, ça a pas dû faire bien. Eh, me tire pas dessus. Je suis de la mort incarnée. Ça, c'est chiant. Eh, t'étais dans mon jeu. Là, j'ai fait n'importe quoi. On ne me tire pas dessus. C'est clair. Bizarrement, ils ont repéré que moi. J'ai trop de bruit, c'est ça. Voilà, je suis... Oh, oh, tu t'es pris une balle dans les jambes. Eh ben là. Zut. Pourquoi il veut pas récupérer des balles? Vous voyez, il me repère avant même que j'ai eu le temps de leur tirer dessus. Eh, pourquoi tu cours? Tu tires en plus par terre ce truc. Zut, loupé. Encore loupé. Et pourquoi il veut pas reprendre les balles? En tout cas, mon armure a bien servi. Hop, vous avez vu, vous pouvez voir. Allez, monte dans le camion. Accélère. Pas comme je viens de faire. Hop là.
Oh, un barrage. Pardon les gars. Désolé, je vous avais pas vu. Un héros qui va bugger parce qu'on rentre dans une zone de collision et qu'il a toujours pas changé le chunk. Ouais, voilà. Heureusement ça s'est fait avant. Allez, charge-moi ça. J'ai 2 minutes 12, mais comme le jeu est en train de charger, il se peut que ça bug. Ça c'est chiant. Je sais pas du tout pourquoi il m'a fait ça. Alors là, je sais qu'il y a des aigris qui vont arriver. Voilà. Headshot. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai sauvé les prisonniers dans le camion. Je me marre déjà de ce qui va se passer. Parce que je sais qu'on est la suite. Allez. Hey, t'as bugué ou quoi? T'as bugué. Ah non. Si, un peu.